l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, etc., etc. Amen. Je vais lire ces trois versets ce soir, frères et sœurs, juste pour nous montrer comment le roi David s'était mis sur lui-même de vraiment s'engager pour offrir des dons à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, il a dit, j'ai mis toutes mes forces. Il était dans sa vieillesse, là, mais il dit, non, vraiment, j'ai mis toutes mes forces dans cette affaire-là et j'ai pris sur moi de donner des offrandes. Non seulement j'ai pris sur moi-même de rassembler des offrandes venant du peuple, mais j'ai donné de mon argent moi-même, j'ai donné de ce qui m'appartient à la maison de l'Éternel. Et il était dans sa vieillesse, il était sur son lit de vieillesse alors qu'il allait mourir bientôt. Et frères et sœurs, juste pour nous rappeler que lorsqu'on parle d'offrande, lorsqu'on parle de dîmes, des dons à notre Dieu, etc., que quelqu'un se le mette sur lui-même. Je n'ai pas envie de dire que ça soit un poids sur notre cœur, mais j'ai envie quand même de dire que offrir à Dieu doit être un fardeau. Que offrir à Dieu soit un fardeau pour chacun de nous. Que notre cœur ne soit pas en paix si on s'éloigne des offrandes ou bien des dîmes à Dieu. Que ton cœur ne soit pas en paix, que ton cœur soit meurtri si à un moment donné, il t'arrive d'oublier de donner ta dîme ou bien de ne pas offrir. Amen, amen. Ressemblons au roi David dans ce sens-là. Amen. On va prier. Seigneur éternel Dieu, nous prions, nous te rendons toute la grâce pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit élevé. Je crois que tu bénis toutes ces offrandes et aussi toutes les mains qui ont porté pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. On a notre frère Yvon Bibo qui est de retour parmi nous. Amen. Il était hospitalisé et gloire à Dieu de le ramener parmi nous. Et aussi merci à tous les frères qui lui ont rendu visite ou ont pris soin de le contacter au moins par téléphone et prendre de ses nouvelles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Juste deux petits témoignages avant que Philippe vienne puis nous bénir avec son message. Juste des témoignages. J'écoute Sid Roth. Je ne sais pas s'il y en a qui l'écoutent. Et c'est excellent les témoignages qu'il y a. Et deux des témoignages. Une, c'était de guérison. Qu'il est arrivé quelqu'un, il y avait un don de guérison, le monsieur. Ça a été imposé des mains. Puis quelqu'un est venu en avant de lui qui avait une grosse, grosse tête. Il est né comme ça. Et il ne pouvait pas parler. C'était comme ça qu'il parlait. Et il a imposé les mains là-dessus, sur lui. Et instantanément, sa tête est venue normale puis parlait normalement. C'est juste pour dire que des miracles arrivent encore aujourd'hui. Je voulais vous encourager parce qu'il y en a qui ont les dons de guérison puis il faut prier pour avoir ce don parce que Dieu veut guérir les malades. Il aime les personnes qui sont malades puis il y en a qui vont être guéris comme ça. Puis un autre témoignage qui m'a beaucoup touchée, c'est encore sur Sid Roth. Il y avait un invité aujourd'hui, Jesse Duplantis, s'il y en a qui se rappellent de lui. Mais il a demandé à Dieu de voir sa face, de le voir. Il disait, Seigneur, je veux te voir, j'insiste de te voir. Et un jour, quelqu'un a prié, il a dit, toi là, tu pries à Dieu de le voir. Tu pries continuellement de le voir, mais tu vas le voir le soir. Très bientôt, le soir, tu vas le voir pendant tes couchers, puis ta femme ne sera même pas consciente de ça. Alors, il arrive des choses surnaturelles comme ça. Fait qu'il est resté réveillé 2 semaines de temps réveillé. Il ne dormait pas, il attendait que Dieu lui apparaisse. Mais il est drôle aussi, Jesse, ceux qui le connaissent, là, vrai comédien. Mais il est bouillant pour Dieu. Et un soir, il était tanné, là, il dit, « Seigneur, ça fait 2 semaines, j'attends de te voir. » Puis un soir, il était couché, il s'endormait. Puis là, le vent, il y a eu un vent qui est arrivé dans sa chambre à coucher. Et les rideaux, ils ont monté jusqu'au plafond. C'est arrivé à 3 fois. Puis le Seigneur a dit, tu veux me voir, je suis là. Puis il a eu assez peur. Il a eu assez peur qu'il n'a pas osé se tourner.
Fait qu'il a donné un coup de poing dans sa femme, mais elle n'a rien senti parce que la prophétie, c'était « Tu ne sentiras absolument rien. Même si tu touches, elle ne sentira rien. » Fait que après, le Seigneur il est parti, puis là, il s'est assis, puis il était dans le salon. Il a dit « Seigneur, tu es parti. » Mais il dit « Je veux que tu crois quand même comme Thomas. » Pas tout le monde va voir. Puis après, juste avant qu'il allait dans le salon, il a donné un coup de poing à sa femme. C'est la première fois qu'il donnait un coup de poing de toute sa vie. Mais là, elle dit « Qu'est-ce que t'as? » Il dit « Tu m'as fait manquer que Dieu est venu dans ma chambre. » Il a dit ça, il est tellement drôle. Mais en tout cas, c'est que Dieu aussi, surnaturellement, veut se manifester encore plus, il faut s'attendre à lui pour des guérisons, des transformations. Il est ici ce soir. Amen. Et Philippe va venir nous bénir. On s'attend des grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? On va être encore plus bénis par la prédication. Je vais monter un peu. Super. Comme ça, c'est bon. Est-ce que vous attendez des grandes choses ce soir? Amen. C'est-tu bénissant les témoignages qu'on a entendus? Et vous savez que c'est pour vous aussi. Hein? C'est pas juste pour les autres. Pour chacun d'entre nous. Amen. On va parler de la vie de Moïse ce soir. Et ce soir, vous êtes à la bonne place. Vous allez entendre une histoire que vous n'avez certainement jamais entendue, mais qui va pouvoir transformer votre vie pour toujours. On va lire ensemble dans Exode 2, versets 16 à 19. Exode chapitre 2, versets 16 à 19. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent leurs auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien. » Vous faites bien ça ?« Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, il a puisé de l'eau et il a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles, en passant elles étaient 7, ce n'était pas précisé là, mais il a 7 filles, le sacrificateur de Madian, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida de demeurer chez cet homme et il lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'elle appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. On va s'arrêter là. Je vous invite à prier avec moi. On va demander au Seigneur, Seigneur, je te demande de bénir ce temps, ouvrir notre cœur. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Viens parler à chacun d'entre nous. Nous voulons recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Moïse est né en Égypte. C'est un juif, un israélien, mais il est né en Égypte. À l'époque de Moïse, tous les enfants, garçons de son âge, sont morts. Tous, sans exception. Le pharaon, le roi de l'époque, celui qui dirigeait l'Égypte, avait pris une décision, il avait donné ordre que tous les enfants mâles à cette époque devaient mourir. Et ils sont tous morts, ils ont tous été tués, sauf un, Moïse. Quand Dieu décide quelque chose, même la parole d'un roi ne peut s'y opposer. Amen. Si Dieu décide quelque chose pour ta vie, sache que Dieu peut faire le contraire. On se souvient du prophète Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions et il ne s'est rien passé. On l'a jeté dans la fournaise, il ne s'est rien passé. Es-tu dans la fournaise, mon frère, ma sœur? Fais confiance à Dieu. Il ne se passera rien du tout. Amen.
Tous les enfants sont morts, Moïse a survécu. Moïse vient d'une famille d'esclaves. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a aucun droit. Un esclave, c'était des gens qui étaient vendus, des êtres humains qui étaient vendus comme du bétail. Ils allaient au marché d'esclaves, ils achetaient des esclaves, ils les vendaient, et ils n'avaient absolument aucun droit. On avait droit de mort, on pouvait les maltraiter. Joseph, c'est un exemple, il était en Égypte, il était esclave, il n'a rien commis, il était correct, il était honnête, et on l'a jeté en prison. On l'a accusé faussement. T'es un esclave, t'as pas de droit, t'as pas de jugement, t'as pas de tribunal, c'est la prison. Un esclave n'a aucun pouvoir. Moïse naît dans une famille d'esclaves, pourtant il va vivre dans un palais. Moïse va vivre dans un palais, et il va grandir dans un palais. À l'époque de Moïse, il y avait ce qu'on appelle des nomades, des bédouins, des gens qui se promenaient d'un oasis à un autre oasis, ils cherchaient des points d'eau. C'est des gens qui avaient des troupeaux, que ce soit des chameaux, que ce soit des brebis, etc. Ce sont des éleveurs. Mais Moïse vit dans une cité qui est très évoluée. L'Égypte, ce n'est pas des nomades. L'Égypte, la population égyptienne, c'est un pays qui est structuré, qui est évolué. À la tête de l'Égypte, il y a un pharaon. On le vénère comme un dieu. C'est une personne extrêmement importante, qui a une autorité, qui a un pouvoir. Il est vénéré comme un dieu. Et après ça, c'est très structuré. L'Égypte bâtit des pyramides, bâtit des palais, bâtit des routes. C'est des gens qui commercent avec d'autres. C'est des gens qui naviguent, c'est des gens qui connaissent les mathématiques. Je ne sais pas si vous savez, mais les mathématiques modernes que nous connaissons nous viennent des Arabes. C'est les Arabes qui nous ont apporté toutes les mathématiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc l'Égypte est un pays qui est extrêmement développé, qui est un pays qui est, comment dire, structuré, qui a une armée. C'est un pays qui est redouté par ses aides, par ses voisins. Et Moïse, lui, va être élevé au sommet de cette hiérarchie. Il y a Pharaon, il y a les princes, sa fille, et lui, il est le fils de la fille de Pharaon. Donc Moïse va goûter à tout ce qu'il est et tout ce que peut donner, comment dire, l'Égypte. Il est au sommet de la pyramide, si on peut dire. Il est, comment dire, il va être élevé dans toute cette connaissance, dans tout ce savoir que les Égyptiens ont. Ce n'est pas, comment dire, un pays en voie de développement. C'est un pays extrêmement développé, l'Égypte, à cette époque. On raconte, les historiens disent que l'Égypte, à l'époque de Moïse, était certainement le pays le plus puissant qui existait à cette époque. Moïse va apprendre les mathématiques, il va apprendre à tout ce qu'un prince doit apprendre, parce qu'il est prince lui aussi. Moïse porte sur lui les signes de sa, comment dire, de sa position. Il porte un collier, il porte des vêtements d'Égyptien, il porte des signes de reconnaissance. Moïse, quand il se promène dans la rue, les gens, ils savent qui il est là. Ils savent qu'il est prince. Moïse va apprendre à diriger un pays. Moïse va apprendre à diriger une armée. Moïse va apprendre à se battre, parce que tous les princes et tous les chefs sont destinés un jour à diriger le pays, à prendre une autorité. Moïse dégage l'autorité. Il dégage l'autorité. On le voit dans le passage qu'on vient de voir, quand il défend les filles de Madian, tout le monde dit « c'est l'Égyptien ». On ne dit pas c'est l'hébreu, on ne dit pas c'est l'israélite, il ressemble à qui il est. Il est un égyptien jusqu'au bout des ongles. Même s'il a du sang israélien dans les veines, il n'en reste pas moins qu'il est élevé comme un égyptien. Moïse va donc devenir cet homme, ce prince. Le matin, c'est quoi le matin quand Moïse se lève? Il y a des esclaves qui ont préparé son repas. Il a juste à se lever. On lui prépare un bain avec des huiles essentielles, avec du parfum. Toute la civilisation égyptienne était très, très, très évoluée. Ils prenaient soin de leur apparence. Ils se maquillaient. Les hommes et les femmes se maquillaient. Ils portaient des vêtements spéciaux, en tout cas les dignitaires portaient des vêtements spéciaux. Donc Moïse, le matin, quand il se lève, là, on lui prépare son bain. Il y a des esclaves qui s'occupent de lui. Après ça, on l'habille. Il ne s'habille pas tout seul. On lui met ses colliers d'or, on lui met ses bracelets. On l'habille, on lui donne son épée. Et Moïse a droit à tous les privilèges d'un prince. Il a les meilleurs chevaux, il a les meilleurs chars. Il n'a pas une Cadillac, mais il a les meilleurs chars pareil. Et Moïse est habitué à donner des ordres. Moïse est habitué à avoir des esclaves. Il a lui-même des esclaves. Il est habitué à donner des ordres. Il est habitué à diriger, à commander, à se faire respecter. Autour de Pharaon, il y a des dignitaires qui sont là, comme la cour de Pharaon, toutes sortes de dignitaires qui sont là pour le conseiller, etc.
Et quand Moïse ou le Pharaon se promène, mais ces gens-là se courbent. Quand Moïse sort à l'extérieur, il a une escorte avec lui. Quand il se promène dans la ville, tout le monde connaît Moïse. Tout le monde sait qui c'est le prince. Et tout le monde va se courber devant Moïse. Pourquoi ? Parce que si tu ne fais pas ça, tu as une bonne chance de mourir. Parce que c'était comme ça qu'on honorait l'autorité sur place. Donc Moïse est honoré par tout le monde. Et la seule personne sous qui il est, c'est Pharaon. Et ça va être comme ça pendant 40 ans. Imagine un peu que pendant 40 ans de ta vie, ton père devient un président d'un pays quelconque où il n'y a plus de démocratie. C'est toi le président à vie, parce que Pharaon était président, comment dire, on va dire à vie. Et là, pendant 40 ans, toi, tu es le fils du président, tu as toutes les honneurs, tu vis dans un palais, tu peux faire ce que tu veux, tu as tout. Tu sors, tu as les gardes du corps, tu as ton jet privé, tout ce que tu peux. Pendant 40 ans, il va vivre là-dedans. Pensez-vous qu'il n'avait pas pris des habitudes, Moïse ? Entre vous puis moi, là. Il devait avoir pris des habitudes. Le matin, là, son petit déjeuner devait être bien fait. Quand il sortait, il devait avoir une cour autour de lui. Quand il partait à la chasse avec ses amis, etc., etc., il était habitué à mener un grand train de vie. Moïse était habitué à un grand, grand train de vie. Du sang juif coule dans ses veines, mais il est un prince jusqu'au bout des ongles. Et il est un Égyptien jusqu'au bout des ongles. Comme on l'a lu tout à l'heure, quand il vient aider les bergères, les sept bergères, il est là dans l'oasis. Dans un autre passage, on dit que Moïse est assis. En fait, il est en train de se reposer. Je vais en parler un peu plus tard. Moïse est en train de se reposer. Et là, les bergères sont comme, à un moment donné, les bergers viennent les chasser, il prend leur défense. Et Moïse, il a tellement d'autorité, parce qu'il est habitué à ça, il est habitué à donner des ordres, il est habitué à commander, que les bergers, là, ils s'en vont, là, ils n'insistent pas. Et Moïse porte sur lui les signes de l'autorité, il porte les signes égyptiens de toute l'autorité. Moïse vit dans l'opulence, il vit dans la gloire, il vit dans son palais. Quand il a trop chaud, il y a des gens qui agitent l'air climatisé. Il vit dans cette opulence, il a les plus beaux vêtements, il a la plus belle chambre, les gens font des courbettes, et il est habitué à tout ça. Et alors que Moïse vit dans cette gloire totale et très grande, un jour, 40 ans après de vivre dans la gloire, il va commettre une erreur, une seule erreur. Moïse se promène ce jour-là sans son escorte. Il est là, il se promène en ville, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. C'était quelque chose de courant, les Hébreux étaient des esclaves, ils n'avaient aucun droit. Et être battu par des Égyptiens, c'était des choses qui arrivaient régulièrement, ce n'était pas la première fois que ça se produisait. Mais ce jour-là, Moïse assiste à ça, et quand il voit donc cet Égyptien en train de frapper cet Hébreu, au lieu de donner un ordre, au lieu de dire à cet Égyptien « tu arrêtes », au lieu de prendre autorité, il est rempli de colère et il décide de tuer l'Égyptien. Et on s'entend que s'il a tué quelqu'un, ce n'est certainement pas parce qu'il avait un accès de douceur ou un accès de compassion, mais c'est parce qu'il était rempli de colère. Des fois, la colère, ça nous fait prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Agir comme ça, sous l'impulsion d'un coup, on prend des décisions qui ne sont vraiment pas bonnes. Moïse est rempli de colère, il va tuer quelqu'un sous la colère, et à un moment donné, il réalise que... Il vient de tuer quelqu'un. Lui, il est prince, là. C'est pas n'importe qui, Moïse, là. Il vient de tuer quelqu'un. Alors, la meilleure idée qu'il a, c'est de le cacher dans le sable. Alors, il creuse un trou dans le sable, il met l'Égyptien, il regarde autour de lui. Personne ne m'a vu, ça va bien comme ça. Tout fonctionne, c'est merveilleux, je rentre chez nous ce soir. Moïse, ce qu'il a oublié, je ne sais pas à quoi il pensait, Moïse, c'est que l'Israélien qu'il a sauvé ce jour-là, ben, il rentrait chez lui, hein. Quand il est rentré chez lui, il a appelé sa femme, il a appelé son voisin, il a appelé sa voisine, son cousin, sa cousine, il a amené tout le quartier, il dit « il faut que je vous conte quelque chose. Eh, quelque chose est arrivé aujourd'hui, il faut que je vous le conte. » Il a dit « Moïse, le prince. » Il dit « oui, tout le monde connaît Moïse, le prince. » Et il a tué un Égyptien pour me sauver. Et là, les autres l'ont regardé, ils ont dit « on ne te crée pas. » Il dit « crée-moi, parce que c'est vrai, il a fait ça. » Il dit « on ne te crée pas. Le prince tue un Égyptien pour toi. » Et il dit, venez avec moi, je vais vous montrer, je sais où il est enterré.
Donc, ils sont retournés. Là, il a montré. Et là, tout le monde l'a cru. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était mieux qu'Internet. C'était le téléphone arabe. Tout le monde l'a su. Tout le monde l'a su. Tout le monde a su. Je ne sais pas quoi Moïse avait pensé, parce que le gars qui l'a sauvé, c'est sûr qu'il allait en parler. Ce n'est pas tous les jours qu'un prince allait se lever le matin et défendre un esclave et tuer quelqu'un pour sauver un esclave. Et tuer quelqu'un, en plus, un Égyptien, pour sauver un esclave. Et là, bien sûr, Moïse réalise l'erreur qu'il a faite. Il a commis une grosse erreur, Moïse, ce jour-là. Et les réseaux sociaux marchent. Tout le monde le sait. Le lendemain, Moïse apprend que c'est fait pour lui. Il sait que tout le monde le sait. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur. Et comme il a peur, Moïse, il va fuir. La peur nous fait prendre des décisions parfois qui ne sont pas les bonnes. Ce que tu fuis, te poursuit. Ce que tu affrontes, s'efface. Ce que tu fuis, te poursuit. Ce que tu affrontes, s'efface. Et Moïse, lui, il est pris de peur. Il a peur de faire face à ses responsabilités. Il a peur de faire face à Pharaon. Il aurait pu s'expliquer avec Pharaon. Il aurait pu dire, écoute, cet Égyptien a fait ça, j'étais en colère, je l'ai tué. Mais c'est pas ça. Il a peur. En même temps, il vit de la honte parce qu'il est prince. Ça fait 40 ans qu'il vit dans l'autorité. Et là, il vient de tuer un Égyptien pour sauver un esclave. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il s'en va dans le désert. À cause d'une seule erreur, il part dans le désert et il quitte tout ce qu'il a. Et là, il se retrouve dans le désert, il n'a pas eu le temps de se changer. Il est habillé en prince, il a sa petite couronne sur sa tête, il a son épée sur le côté. Il est un Égyptien. Tout le monde voit que c'est un Égyptien. Et alors qu'il est dans ce désert, il se retrouve là, en une fois, une seule erreur. Il a fait juste une erreur. Et sa vie a basculé. Juste une erreur. Moïse se retrouve en mode salvaille. Pas tout le monde qui l'a compris, celle-là. C'est la déchéance. C'est la déchéance. As-tu fait une erreur dans ta vie? Mon frère, ma sœur, as-tu fait une erreur dans ta vie qui t'a amené à fuir? Qui t'a amené à te sauver? Une erreur qui peut-être t'a fait perdre ta famille, ton travail, ta carrière. Une erreur qui t'a fait tout perdre. As-tu commis une erreur dans ta vie? En 1995, j'avais un ami ici au Québec. Souvenez-vous qu'en 1995, les maisons, ça ne valait pas le même prix qu'aujourd'hui. On s'entend? En 1995, lui, il avait un parc immobilier, il avait des blocs qui étaient entièrement payés. Et la valeur de l'ensemble de ces blocs, c'était 1 million de dollars. Donc, il en avait pour, en 1995, 1 million de dollars. Il avait travaillé toute sa vie pour arriver là. Il avait travaillé très, très fort. Mais ça lui appartenait, c'était à lui. Un jour, il a une idée. Il prend 20 000 dollars, c'est une histoire vraie ce que je vous compte. Il prend 20 000 dollars et il fait un placement en bourse. Des fois, en bourse, il y a des placements qui sont très sécuritaires, mais des fois, il y a des placements qui sont un peu plus techniques, où il faut s'y connaître un peu. Et lui, il avait étudié ça, et il prend donc 20 000 dollars, il fait un placement en bourse, et dans une journée, il a gagné 60 000 piastres, donc en 1995. Quand il a vu ça, il a pris son 60 000 piastres, le lendemain, il a refait la même chose. Il a gagné 180 000 piastres dans une journée. Alors là, il a eu une idée géniale. Son idée, c'était de vendre tous ses blocs, ramasser son million, et il a dit, je vais le mettre à la bourse comme j'ai fait, j'aurai 3 millions. Et avec mon 3 millions, je vais refaire le coup et j'aurai 10 millions. Et il dit, pourquoi est-ce que je m'embête avec des locataires à louer, avec ceci, avec les chauffe-eau, et avec ce qui brise? À quoi ça sert? Donc, il a tout vendu, il a pris son million, et il a fait exactement comme il avait fait avant. Et devinez ce qui est arrivé? En une journée, il a tout perdu. Toute une vie de travail, en une journée, toute perdue, toute perdue, en une journée. Une erreur. As-tu fait une erreur dans ta vie que tu regrettes? As-tu fait une erreur qui te poursuit encore aujourd'hui dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, et tu te dis, là, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'aurais pas dû faire ça. Une erreur qui vient te chercher au fond de ton cœur et qui vient, comment dire, qui vient avec la culpabilité, qui vient avec la honte.
Une erreur qui t'a fait tout perdre, toi aussi. As-tu fait une erreur dans ta vie? Moïse a fait cette erreur. Si on revient à Moïse, on s'entend que Moïse, c'était un assassin. Quand tu tues quelqu'un, on ne parle pas d'un accident, que tu tues quelqu'un comme il l'a fait, tu viens de commettre un meurtre. Tu es un assassin. Moïse avait du sang sur ses mains. Et Moïse, quand il était dans le désert, qu'il s'est retrouvé, comment dire, dans cette famille à Madian, bien, il devait certainement vivre de la culpabilité. Il devait vivre de la honte aussi. La honte, parce qu'il venait de perdre sa famille, il venait de perdre son titre. La honte qu'il venait de faire porter sur toute sa famille, la famille princière, Pharaon, sa mère, la honte de ce qu'il avait fait. Et il portait ça sur lui. As-tu de la honte sur ta vie pour quelque chose que tu as pu faire? As-tu de la honte aujourd'hui? Moïse portait tout ça dans son cœur. Et quand il s'est retrouvé dans ce désert, il n'a plus d'escorte, il n'a plus de palais, il n'a plus de personne pour lui frotter le dos, il n'y a plus personne pour lui pérer des petits plats, il se retrouve sous une tente. Et là, il se retrouve avec un nouveau problème, sous une tente, avec sept jeunes filles à marier. Et là, son futur beau-père, qui va devenir son beau-père plus tard, son futur beau-père a le choix. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé quand Moïse est rentré habillé en égyptien, parce qu'il était égyptien, et qu'il arrive dans la tente? Pensez-vous que son beau-père ne lui a pas posé des questions? Celui qui va devenir son beau-père. Pensez-vous qu'il n'a pas reconnu les signes de la royauté sur Moïse? C'est sûr qu'il a reconnu les signes de la royauté. C'est sûr qu'il a vu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Il a dû dire à Moïse, « Voyons donc, elle est où ton escorte? Qu'est-ce que tu fais par ici? Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de palais, il n'y a pas de pyramide. Moïse, là, c'est quoi que tu fais ici? » Vous savez, la curiosité, ça n'a pas commencé en 2017 au Québec. Ça a commencé il y a bien longtemps. Et je suis sûr que les bergers du coin, c'était tous des saintes. Je suis sûr qu'ils voulaient savoir, là, c'était qui celui-là? C'est quoi qu'il est venu faire par ici? Et Moïse, il a dû s'expliquer. Il a dû dire, comment dire, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dû dire qu'il était prince, qu'il avait tué un homme et qu'il avait fui. Ça n'a pas dû être facile à Moïse de le dire. Et ça aussi, ça a dû faire le tour là, de toutes les nomades, des bédouins, de tous les bergers et de toutes les familles qui étaient autour sous des tentes. Et c'était l'humiliation pour Moïse. Moi, j'imagine Moïse quand il sort le matin, les autres qui rient de lui. « Regarde le prince déchu. Hé, Moïse, il est où ton palais? Hein? C'est où, Moïse? Ils sont où tes esclaves, Moïse? Hé, regarde, t'as tes chèvres qui t'attendent. » Vous riez, mais c'est sérieux. Il a dû vivre l'humiliation, jour après jour. On a lu tout à l'heure, quand il se marie avec Séphora et qu'il a un fils, il l'appelle de ce nom-là, Gershom, car il dit « Je vis dans un pays étranger. » Vous savez, la première journée, là, le lendemain qu'il est arrivé sous cette tente, quand il s'est réveillé, Moïse, à part le fait que les sept jeunes filles voulaient lui faire son petit déjeuner, là, mais il a dû réfléchir un peu, là. T'sais, là, il a dû se dire, mais c'est quoi que j'ai fait, là? Je vis sous une tente, il fait chaud, j'ai plus d'esclaves, j'ai plus personne à qui commander, j'ai plus de fun, j'ai plus rien. Et en plus, ma famille n'est plus là, mes amis ne sont plus là. Il a dû vivre des moments extrêmement difficiles. La première journée, la deuxième journée, plus les gens qui devaient l'humilier, rire de lui, jour après jour. Et à un moment donné, Moïse, le prince, mais il a quitté ses vêtements de prince. Il a commencé à s'habiller comme un berger. Il portait des vêtements royauté. Et là, il portait les vêtements de la honte. Il se cachait. Parce qu'il ne voulait plus qu'on se moque de lui. Il ne voulait plus qu'on rie de lui. Il a vécu dans la culpabilité, il a vécu dans la honte, il a vécu dans le regret, certainement. Il devait penser jour après jour. Pensez-vous qu'il ne pensait pas à sa mère? C'est sûr qu'il pensait à sa mère. C'est sûr qu'il pensait à l'acte qu'il avait commis. Il avait tué quelqu'un et ça devait le ronger par l'intérieur. J'ai eu l'occasion, quand je travaillais à l'Armée du Salut, de côtoyer, on nous les envoyait souvent, des gens qui étaient du crime organisé, des gens qui avaient commis des délits, qui étaient arrêtés, et pour les réinsérer, ils nous les envoyaient pour faire la réinsertion. Et j'ai côtoyé des gens qui s'étaient fait tirer ou qui avaient fait toutes sortes de choses.
Et ces gens-là, là, quand on voit les films à Hollywood, là, les dealers de drogue et tout ce que vous voulez, là, ils ont l'air tellement bien, là, c'est magnifique, là, c'est la belle vie. Je n'ai jamais côtoyé quelqu'un qui a tué quelqu'un ou qui vendait de la drogue, etc., qui vivait heureux. Jamais. Ils vivent dans la peur, ils vivent dans la crainte, ils vivent constamment, de façon permanente, dans la peur de se faire tuer par leurs propres amis. Ils sont tout le temps en train de regarder dans leur dos, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'en ai côtoyé beaucoup. J'en ai côtoyé qui se sont fait tirer par d'autres gangs. Et eux, ils changeaient de ville tous les 6 mois. Avec ta famille, tous les 6 mois, il fallait qu'ils sortent, de peur de se faire abattre. Moïse, là, il devait vivre aussi avec sa culpabilité, avec la personne qu'il avait tuée et avec ce qu'il avait fait. C'est sûr. Les années passent et Moïse va rester dans ce désert pendant 40 ans. Il faut savoir que c'est très important ce que je vais dire, c'est que dans la civilisation égyptienne, il y a les esclaves et tout de suite après, c'est les bergers, les agriculteurs, ceux qui travaillent dans les champs. De prince, il n'est pas tombé esclave, mais proche. Il est tombé au bas de l'échelle. Moïse, qui était un prince, il est tombé dans la déchéance la plus totale et la plus complète. Les années vont passer. Moïse va rester 40 ans dans ce désert, à s'user par le soleil, à garder des chèvres, à sentir mauvais, en sentant que quand tu es en plein soleil, la transpiration et toutes les choses, tu n'en as plus de parfum, là, tu n'en as plus de bain et tout ce que tu veux. L'eau, ils en font très attention en plus dans ces endroits-là, parce que c'est la denrée la plus rare et la plus précieuse. Et comme seul cours et comme seul ami, ben, il a des chèvres. C'est tout ce qu'il a, Moïse. Et il va rester 40 ans, et alors qu'il est un vieillard, il a 80 ans, 40 ans s'est écoulé en Égypte, 40 ans s'est écoulé dans le désert, il va se passer quelque chose, et on va le lire ensemble dans Exode, chapitre 3, verset 3. On va aller juste le verset avant, s'il te plaît. Verset 2. Moïse est dans le désert et il voit un buisson qui prend feu. Un buisson qui prend feu dans le désert, je vous le dis tout de suite, c'est pas rare. C'est des choses qui arrivent de façon régulière. Il fait tellement chaud que des petits buissons s'enflamment, ils se consument et c'est fini. Ça s'arrête là. Donc c'est pas quelque chose qui était d'extraordinaire. Là, Moïse, ce qui va se passer, c'est que le buisson va prendre feu, mais il ne se consume pas. Et on va lire ce qui se passe. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ça, là, Moïse, ça a attiré son attention. On va continuer. Ça a attiré son attention. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Il n'est pas au bout de ses surprises, Moïse. Là, il voit un buisson qui ne se consume pas, là, ça attire son attention et il se dit, il faut que j'aille voir ça. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Là, Moïse est dehors des yeux comme ça, là, un buisson qui se met à parler, là, il ne comprenait plus rien. Là. C'était pas souvent, hein. Ça faisait 40 ans qu'il est dans le désert, il n'avait jamais vu ça encore. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. On va s'arrêter là. Moïse est usé par la vie, usé certainement par le regret, le remords et toutes ces choses-là. Il a dû penser à son palais plus d'une fois et il s'est fait une raison. Il a fait son deuil, il a 80 ans, il a une femme, il a des enfants, etc. etc. Et il s'est fondu dans la foule. Et à un moment donné, 40 ans après son erreur, il voit un buisson, et ce buisson ne se consume pas. Et alors qu'il s'approche, il entend la voix de Dieu, et Dieu lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds. » À cette époque, à l'époque de Moïse, quand tu demandais à quelqu'un d'enlever ses sandales ou ses souliers, ça avait une signification extrêmement précise. Ça voulait dire, « Deviens mon esclave. » Ce que Dieu est en train de dire à Moïse, c'est Moïse. Deviens mon esclave. Moïse, donne-moi toute ta vie. Moïse, je veux régner sur toute ta vie. Jésus frappe à la porte de notre cœur
on lui ouvre notre porte. Notre vie, c'est comme une maison. Il rentre dans notre vie, il rentre dans notre maison. Et là, Jésus rentre dans le hall d'entrée. On ferme la porte, il est chez nous, il est à l'intérieur de notre cœur, mais il est dans le hall d'entrée. Jésus, c'est un gentleman. Lui, ce qu'il veut, c'est régner sur toute notre vie. Il veut rentrer dans toutes les portes de notre maison, dans toutes les portes de notre vie, mais il ne va jamais nous forcer. Il va nous parler, mais il ne va jamais nous forcer. Moïse, de la même façon, Dieu lui dit « Donne-moi toute ta vie, Moïse ». Dieu là s'adresse à un assassin. Dieu s'adresse à quelqu'un qui vit dans le remords, quelqu'un qui a fait une erreur, quelqu'un qui a assassiné quelqu'un, quelqu'un qui vit dans la culpabilité, quelqu'un qui a tout perdu, quelqu'un qui doit vivre dans un regret terrible. Et Dieu s'adresse à lui, il lui dit « Donne-moi toute ta vie. Moïse, donne-moi toute ta vie. » Et de la même façon, Dieu nous dit, Jésus nous dit « Donne-moi toute ta vie. » Jésus, il te dit « J'aimerais ça rentrer dans ton salon. » Et non, non, Seigneur, c'est ma télé ici. C'est mes émissions, là, tu ne rentres pas ici, là. Et Jésus, il parle à notre cœur, il dit, j'aimerais ça aussi rentrer au sous-sol avec ton ordinateur. Non, 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 le sous-sol, c'est privé. Quand ma femme est couchée, je fais ce que je veux. Alors, ce n'est pas toi qui vas venir me déranger, là. Jésus, là, moi, il nous parle dans notre cœur, il dit, j'aimerais bien, là, rentrer dans toutes les pièces de ta maison. C'est ce que Jésus veut faire dans notre vie. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse ce jour-là. Il dit, deviens mon esclave, donne-moi toute ta vie. Un esclave n'a droit à rien, n'a aucun droit sur sa vie. Un esclave, il obéit à son maître. Si son maître lui dit, tourne à gauche, il tourne à gauche. Si son maître dit, tourne à droite, tourne à droite. Si son maître lui dit, tu vas travailler 15 heures aujourd'hui, il va travailler 15 heures. Si tu es fatigué, ben regarde là, tu vas d'abord me servir et après tu iras te reposer. C'est ça un esclave. C'est ça un esclave. Et Jésus, là, il dit à Moïse, donne-moi toute ta vie, Moïse. Ta vie, elle est en morceaux, Moïse. Ta vie, elle ressemble à rien, Moïse. Mais donne-moi toute ta vie. Et de la même façon, le Seigneur s'adresse à nous et il dit, je veux rentrer dans toute ta vie. De la cave au grenier, du sous-sol au grenier, en passant par le cabanon et le garage attaché et détaché, et ce que tu veux, je veux régner sur toute ta vie. Et bien souvent, on va dire à Jésus, oui, oui, règne sur ma vie, Jésus. Prends ma vie, Seigneur. Mais pas mon portefeuille. Pas ma télé. J'ai un ami à moi qui est encore missionnaire. C'est un homme très, très, très engagé dans la foi. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Un homme vraiment engagé, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses au niveau national et international. Et cet homme sert le Seigneur de tout son cœur. Et un soir, c'est lui qui me raconte ça. Avant de se coucher, il prie. Et il dit au Seigneur, regarde, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je travaille à temps plein pour toi. Je te sers. Mais je veux vraiment à 100% être à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je ne t'ai pas donné? Et il n'entend rien. Il n'entend pas la voix de Dieu. Il n'entend rien. Mais ce soir-là, il fait un rêve. Et là, dans son rêve, il voit, comment dire, il est dans sa maison, dans son lit. Il voit qu'il sort de son lit, que là, il traverse le plafond, il traverse le toit de sa maison, et il voit Jésus dans sa gloire qui lui tend les bras comme ça. Et là, il monte. Donc lui, il est en train de monter, il va dans la gloire pour se retrouver avec le Seigneur. Et au bout d'un moment, il n'est plus capable de monter. Tu sais, il a traversé, il n'est plus capable. Il baisse les yeux, il se demande bien qu'est-ce qui se passe. Et là, il voit une chaîne qui est à son pied. Alors, il tire la chaîne, il veut savoir ce que c'est. Il tire, et comme il tire, ben, il redescend, évidemment. Donc, il passe à travers le plafond, à travers le toit. Il arrive dans son salon, et là, il voit la chaîne qui est attachée à son piano. Et le Seigneur lui parle et lui dit, tu passes plus de temps avec ton piano que tu passes avec moi. Qu'est-ce qui prend la place de Christ dans votre vie? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à donner toute votre vie à Jésus? Est-ce que vous êtes prêt à dire, non, ça m'appartient, c'est à moi? Moïse était un homme brisé, un homme qui avait fait une erreur, qui avait commis des erreurs. Mais Moïse va prendre une décision ce jour-là qui va changer le cours de sa vie. Si j'allais dans la rue, que j'arrêterais n'importe quelle personne et je dirais, est-ce que tu connais Moïse dans la Bible? Tout le monde connaît Moïse dans la Bible. Hollywood ne me connaît pas. Hollywood ne vous connaît pas non plus.
Mais Hollywood connaît Moïse. Ce jour-là, Moïse va prendre une décision de dire à Dieu, « Oui, je veux que tu règnes sur ma vie à 100%, que tu sois le Seigneur de toute ma vie, je te donne ma vie, je suis prêt à ce que tu sois, devenir ton esclave. » Et ça va changer sa vie. Il était devenu un zéro, et il va devenir un héros. Parce que Dieu va changer sa vie pour toujours. Il va transformer sa vie pour toujours. La décision que Moïse va prendre ce jour-là va changer sa vie. Et aujourd'hui, au 21e siècle, on parle encore de Moïse. Tout le monde connaît Moïse. Et quand on parle de Moïse, on ne parle pas de Moïse l'assassin. On ne parle pas de Moïse le ceci ou Moïse cela. On parle d'un homme de Dieu. On parle d'un homme puissant. On parle d'un leader incontesté. On parle d'un modèle pour tous. On parle d'un homme extraordinaire, mais il a pris un jour une décision. Il était vieux, il était âgé, il avait 80 ans, il a fait son deuil de toute sa vie passée, il avait tout ça. Moïse tremblait devant Pharaon, il s'était sauvé parce qu'il avait peur de Pharaon. Et ce Moïse qui va prendre cette décision, Dieu va transformer sa vie de façon extrêmement profonde, que lui va se présenter devant Pharaon et c'est Pharaon qui va trembler devant lui. Et pas juste Pharaon. C'est toute l'Égypte qui va trembler devant Moïse parce qu'il a pris une décision et il a laissé Dieu régner sur sa vie. Et Dieu va changer sa vie pour toujours. Dieu va changer et marquer sa vie pour toujours. Et Dieu s'adresse à toi ce soir et il va te dire la même chose. Est-ce que tu veux me laisser régner sur toute ta vie? Dieu connaît toute ta vie. Dieu connaît tes erreurs. Dieu connaît tout ce que tu as pu faire. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Mais Dieu te pose cette question ce soir. Est-ce que tu veux régner sur ma vie? Est-ce que je peux régner sur ta vie? Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, on s'entend que si demain, là, quelqu'un se présentait devant le fleuve Saint-Laurent et qu'il s'ouvrait en deux, on en parlerait dans les journaux. Hein? Mais ce Dieu-là qui a ouvert la mer Rouge, ce Dieu-là qui a fait des signes extraordinaires en Égypte, ce Dieu-là qui était dans une colonne de nuée le jour, une colonne de lumière le soir, ce Dieu-là est ici ce soir. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Celui qui a appelé Moïse dans le buisson ardent et qui a changé sa vie, il est là ce soir, il peut transformer ta vie. On vit toutes sortes de choses dans notre vie. On peut vivre de la culpabilité, on peut vivre de la honte. Un jour, une amie à moi en France est venue me voir, elle m'a dit « Philippe, il faut que je te parle », elle m'a dit « j'ai besoin d'aide ». J'ai dit « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et elle m'a dit une chose que je n'aurais jamais oubliée. Elle m'a dit « il aurait 9 ans aujourd'hui ». Et j'ai compris instantanément ce qu'elle voulait dire. Et j'ai dit « ça fait 9 ans que ça s'est passé ?» Elle m'a dit « oui, c'était fait avorter ». Et ça faisait 9 ans qu'elle vivait dans la culpabilité de ce qu'elle avait fait. Un poids sur sa vie, énorme. Et on a pu prier pour elle pour qu'elle puisse être libérée de ce poids. Elle avait commis une erreur elle aussi. Mais le Seigneur a reconstruit sa vie. Et le Seigneur peut reconstruire ta vie. Et Dieu peut t'amener dans une place auquel tu ne pourrais même pas penser, que tu n'as même pas imaginé. Moïse était dans son trou, dans son désert, derrière ses chèvres. Il devait sentir pas bon. Et Dieu l'a amené à un endroit auquel il n'aurait jamais imaginé. Absolument jamais. J'aimerais qu'on fasse quelque chose maintenant, ce soir. J'aimerais qu'on courbe nos têtes, tous. Et j'aimerais faire un appel ce soir. Et j'aimerais que tu prennes cela vraiment très au sérieux. Il ne s'agit pas de répondre de façon émotionnelle. Il ne s'agit pas de répondre parce que tout le monde répond. Il ne s'agit pas de répondre pour faire bien. Il s'agit de répondre à l'Éternel. Tu es face au Seigneur ce soir. Et le Seigneur te pose la même question et il te dit, est-ce que je peux régner sur toute ta vie? Peux-tu me laisser régner sur tes affaires, me laisser régner sur tes finances? Laisser régner sur ta famille, sur tes enfants, me laisser régner sur ton salon, me laisser te débarrasser de tes mauvaises habitudes, des choses que tu fais en cachette, que personne ne sait mais que moi je sais. Est-ce que tu veux me laisser régner sur ta vie? Est-ce que tu veux me donner ta vie afin que je puisse transformer ta vie de façon extraordinaire et te délivrer? Car si en fait tu vis dans un esclavage. Le Seigneur te pose la même question ce soir. Et si ce soir, là où tu es, si sincèrement tu veux dire à Dieu, et c'est un engagement solennel que je vais faire, c'est un engagement solennel que tu vas prendre, je vais te demander de te lever à ta place et comme un signe en disant « Seigneur,
Moi, je me lève parce que je veux que tu transformes ma vie comme tu as transformé la vie de Moïse. Je veux que tu viennes, Seigneur, et je veux m'engager à te donner toute ma vie à 100%. Et peut-être que je t'ai donné ma vie à 50%, peut-être que je t'ai donné ma vie à 30%, peut-être à 90%. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner ma vie à 100%. Et si tu es prêt, comment dire, à accepter que Dieu règne sur ta vie, je te demande que là où tu es, tu te lèves, tu te tiennes debout, devant Dieu, pas devant moi, et que tu dises, moi Seigneur, je veux que tu règnes. Je prends la décision ce soir de te laisser régner sur toute ma vie à 100%, car je te veux dans ma vie. C'est une décision qui va changer le cours de votre vie. C'est une décision qui va changer le cours de votre vie. Et dire, Jésus, je veux plus que tu sois mon sauveur, je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux te laisser régner sur chaque aspect de ma vie. Sur chaque aspect de ma vie. Je veux que tu règnes, Seigneur. Seigneur Jésus, tu vois mes frères et mes sœurs qui se sont levés ce soir et qui veulent que tu viennes régner sur leur vie. Je te demande dans le nom puissant de Jésus-Christ de descendre sur eux, Saint-Esprit. De briser sur leur vie tout lien, toute chaîne, comme si tu as brisé les chaînes sur la vie de Moïse. Les chaînes du regret, les chaînes de la honte, les chaînes de la culpabilité. Et que tu transformes leur vie comme tu as transformé la vie de Moïse. Qu'à partir de ce jour, ils te voient agir dans leur vie jour après jour. Qu'ils aient le courage, Seigneur Jésus, de se tenir dans l'obéissance, dans tout ce que tu vas leur montrer, afin de faire ta volonté, et seulement ta volonté. Et Seigneur, je prie que tu les accompagnes, que tu les protèges, que tu les gardes, et que ta main soit sur eux, de façon puissante, de façon importante. Donne-leur des songes, donne-leur des rêves, Seigneur, afin que leur vie, Seigneur, soit sanctifiée. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les. Amen. Sois mon espoir et mon chant, Jésus. Pouvoir tous nous lever, on va chanter. Sois feu. Sois le vent qui souffle mes voiles, sois ma raison de vivre, Jésus. Seigneur, que ton nom soit élevé pour ce temps, que ton nom soit béni, Seigneur. Oui, c'est toi qui sais ce dont ton peuple a besoin. C'est toi qui sais ce dont ton peuple a besoin. Et oui, tu adresses les paroles conséquemment. Et c'est parce que ton peuple a besoin ce soir d'entendre cette parole que tu l'as mise sur le cœur de notre frère. Il s'est laissé utiliser comme un canal à toi. Nous prions et demandons, Seigneur, que ces paroles soient vraiment semées dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un décide aujourd'hui vraiment de se laisser complètement à toi. Que quelqu'un décide, Seigneur, oui, de se laisser complètement à toi. Dimanche, nous avons entendu que nous devons nous rebrancher à toi. Voilà ce soir. La parole est encore sortie pour que quelqu'un décide d'abandonner sa vie complètement à toi. Seigneur, c'est parce que tu nous veux complètement à toi que tu envoies ces paroles. Tu veux que quelqu'un s'abandonne complètement à toi, au-delà des apparences. C'est pourquoi tu donnes ces paroles. Nous prions, Seigneur, et demandons que tu viennes à la rencontre de nos limites. Nous sommes limités, Seigneur. Viens à la rencontre de nos limites. Viens à la rencontre des limites d'un frère. Viens à la rencontre des limites d'une sœur au nom de Jésus. Et soutiens-nous dans nos faiblesses. Soutiens quelqu'un dans ses faiblesses, Seigneur. Soutiens un homme. Soutiens une femme dans ses faiblesses. Et dans la capacité. Parce que la capacité nous vient de toi. C'est toi qui nous donnes la capacité de marcher quotidiennement avec toi. C'est toi qui nous donnes la force. La force nous vient de toi, Seigneur, de marcher quotidiennement avec toi, de demeurer attaché
chaque jour jusqu'à la mort. Quel que soit ce qu'on a pu faire hier, quelles que soient les voies tortueuses dans lesquelles on peut marcher, quel que soit, Seigneur, peut-être le remords qu'on ressent, quel que soit, Seigneur, peut-être les forces qui nous oppressent, la capacité nous vient de toi. Nous prions et nous demandons que tu nous donnes la capacité, Seigneur, dans la capacité à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et viens, sois le centre de nos vies. Tu disais, oui, à Moïse, enlève tes souliers, parce que, oui, tu voulais qu'ils t'appartiennent complètement. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes la force de nous abandonner complètement. Aucun recoin de nos vies ne reste sans t'appartenir. Aucun recoin de nos vies ne reste sans t'appartenir, Seigneur. Nous déclarons que nos vies t'appartiennent aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit élevé. Et alors que nous quittons ce lieu, Seigneur, nous prions demandant que tu nous raccompagnes dans nos demeures. C'est toi qui nous as amenés ici, et c'est par toi que nous repartons. Nous entrons dans nos demeures sains et saufs. Nous passons d'agréables nuits. Seigneur, je lève mes mains vers toi et je prie, je demande que chacun de nous passe une agréable nuit au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur les cauchemars. Nous prenons autorité sur les mauvais rêves. À la place des cauchemars, à la place des mauvais rêves, nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes plutôt des révélations. Nous demandons plutôt, Seigneur, que tu nous amènes dans les cieux et que nous puissions contempler ces lieux célestes dans lesquels, Seigneur, nous nous assurerons bientôt pour l'éternité. Je crois, Seigneur, que tu es au contrôle de tout. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Bonne nuit à chacun de nous. Bon retour chez nous. Dans la grâce du Seigneur. Amen.